avant de commencer mon propos, je voudrais d'abord dire que normalement, dans la société, nul n'est parfait. Mais lorsque quelque chose arrive, les gens de la presse, vous venez, vous faites les gros titres pour vouloir diaboliser les gens. Mais ce qui est là, c'est que dans ça là, ces choses-là, nul n'est innocent dans ça. Et les policiers, et les civils, et les consommateurs, et ceux qui vendent, nous tous, nous sommes des coupables. Donc, ce n'est pas la peine d'amener les micros, les caméras, pour vouloir montrer à la télé, montrer aux gens que ce sont ceux-là qui sont mauvais et que c'est nous qui sommes bons. Autant que nous sommes chacun des faiblesses. C'est comme ça. On n'a pas dit que nous ne sommes pas en infraction. On ne l'a pas dit. Qu'est-ce que vous voulez insinuer à travers ce que vous dites là? Est-ce que vous êtes souvent de connivence avec les policiers? Non. Ce que je veux seulement dire, c'est que chacun doit se sentir coupable à son niveau par rapport à l'acte qu'il a posé. Vous reprochez-vous aux policiers? Je ne reproche rien à personne, mais je trouve ça seulement un peu exagéré que vous amenez des caméras. On dirait qu'on a commis un assassinat. Moi, je sais seulement que je suis un consommateur de cannabis. Je fume le cannabis depuis 94. J'ai 40 ans aujourd'hui. Donc, je fume le cannabis depuis que j'ai 21 ans. Pourquoi tu fumes? Je ne peux pas vous dire. Et vous, pourquoi vous buvez, si quelqu'un vous pose cette question? Vous voyez, c'est ce que je dis, que chacun a ses faiblesses. Ça, c'est ma faiblesse que j'ai eue. Et j'ai du mal à m'en débarrasser. Mais cela ne veut pas dire... Que... C'est pas la petite qui demande. On dit que vous êtes magasinier. C'est pas la petite qui demande. Bon, il y a une très grande différence entre la réalité et ce que les gens disent. Vous-même, vous le savez. C'est vous qui êtes les gens de la presse. Ok, qu'est-ce que vous y gagnez en fumant du cannabis? Bon, je ne gagne pratiquement rien, à part la paix du cœur, c'est tout. Bon, si je comprends bien, vous n'avez rien à foutre, en fait. Vous allez aller en prison, vous allez ressortir. Non, c'est pas ça. Je travaille. J'ai une femme et deux enfants. Je suis responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement dans ma société. Donc si je gagne un problème aujourd'hui, je serai au chômage. Et ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé à travailler. J'ai longtemps galéré dans cette ville sans trouver le boulot. Pour vous, votre gagne-pain, c'est ça? Non, je vous ai dit, ça, c'est pas mon gagne-pain. Moi, je suis un consommateur. C'est lui qui est venu m'interpeller. Quand il m'a interpellé, c'est pas ce qu'il a trouvé avec moi. Il m'a trouvé juste ce que je fais, un usage privé, personnel.